Séjournant à Kinshasa, dans la capitale congolaise, le vice-gouverneur de la province du Tanganyika, Massamba Wamassamba Ferdinand, a été reçu en audience par le président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, dans son cabinet de travail. Celui-ci n'avait premièrement qu'à présenter ses remerciements le plus sincère à son autorité morale pour lui avoir confié la gestion du parti AFDC en tant que fédéral, et aujourd'hui la liste vient d'être couronnée et est désormais vice-gouverneur de la province du Tanganyika. Je suis venu juste pour rencontrer le président du Sénat, qui est l'autorité morale de mon parti, juste pour lui présenter les civilités et le public, le remercier. Ça fait plus de 10 ans que je suis étudiant de son école politique. Il m'a beaucoup enseigné, il m'a demandé de persévérer. Il m'a fait au Tanganyika comme président fédéral, ça fait plus de 4 à 5 ans. Alors aujourd'hui, il m'a placé toute une confiance de me désigner comme candidat vice-gouverneur et maintenant élu comme vice-gouverneur du Tanganyika. C'est ça même l'objectif de mon voyage pour présenter mes remerciements auprès de l'autorité. Des techniques et tactiques lui seront prêchées par le président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo, pouvant lui permettre à mieux assumer ses nouvelles responsabilités en province et en parfaite intelligence avec Madame le gouverneur Jeline Gongwa Mayoma pour le décollage de la province du Tanganyika. D'abord, l'autorité m'a demandé de bien collaborer avec Madame le gouverneur et beaucoup plus travailler pour le peuple. Alors, et après, il m'a demandé de se référer toujours à la hiérarchie pour d'éventuelles orientations. La rencontre va être conclue par une photo afin de rendre les moments immortels.